Et salut tout le monde, c'est Yet et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Lune. J'espère que vous allez bien. Répondez-moi, hein, comme la dernière fois, vous êtes obligés, c'est comme ça, c'est le nouveau rituel. Et avant de partir, vous abonnez-vous tout de suite à ma chaîne, vous laissez un pouce bleu, partagez la vidéo sur... Non, je déconne, on s'en fout. On est pas là pour ça. Non, je m'en fous. C'est vrai que oui, par rapport à ce qui s'est passé sur YouTube, notamment, on peut demander à faire des pouces, gna gna gna, bidule. Vous pouvez le faire si vous voulez, vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas, si jamais vous avez peur de vous aider à regarder, parce qu'il y a des gens qui se font désabonner de la chaîne à chaque fois que je poste une vidéo. C'est pas moi qui gère ça, c'est YouTube. Hein, je tenais quand même vite fait à dire une petite phrase par rapport à ça. N'hésitez pas même à activer la petite cloche de notification, parce que des fois ça vous avertit même pas si j'ai une vidéo qui sort. Alors bon, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de... Tout baissé, genre mes abonnements, mes vues, machin, ça, je suis bon. C'est normal ou pas? Et puis bon, bah... Faites comme vous voulez, moi je me vois, ça me fait activer YouTube, c'est pas mon activité principale, mais c'est vrai que depuis qu'ils ont fait des mises à jour, il y a tout qui baisse quoi. C'est comme ça, mais. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de chiffres, on est là pour parler de Pokémon. Alors, on se retrouve ici normalement pour l'épreuve Spectre bientôt. Alors, ça va être le défi du jour, ça va être utiliser que des attaques de type super efficace. Je me suis gardé. Attendez, je me suis gardé le privilège, entre guillemets, de ce défi pour ce type spectre que je n'affectionne pas du tout en tant que combattant, parce que je sais jamais ce qui est fort contre. Je me suis renseigné quand même tout de même juste avant. Le type spectre est faible, enfin super efficace aux ténèbres et au spectre lui-même. Voilà. J'essaie de garder ça en tête. Et on doit faire que des attaques de type efficace. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi. Reste tranquille, ouf. Ton sac là, il a bougé, je l'ai vu. Fais pas ta mijaurée, ouf. Fais péter ce qu'il y a dedans. Si c'est un Pokémon rare, fais-le nous, qu'on se fasse un paquet de pognon ou en le revendant. Et si c'est pas un Pokémon rare, bah fais-le nous quand même, il y a des petits profits, ouf. Tu vas te calmer tout de suite, dégage. Yet. Qu'est-ce que t'as toi? T'as vu une demoiselle en détresse et du coup tu te rues à son secours. Putain, mais ils peuvent arrêter de danser quand c'est... C'est dingue quoi. C'est ça, tu vas juste te taper l'affiche, ça t'entend. Donc alors voilà, donc notre but c'est quand même de faire des attaques uniquement super efficaces durant l'épisode. Vais-je y arriver? Ça m'étonnerait. Mais on va essayer de faire notre mieux. Enfin, voilà, après voilà, les défis n'ont aucun... aucune... punition, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun gage de rater un défi. C'est peut-être le souci dans mon espèce d'aventure subscriber challenge. Mais c'est parce que... Ah, bah oui, c'est pas mal. On va faire piqûre, même pas vampirisme, on va faire piqûre. Parce que c'est vrai que le type psy est faible face au type insecte. Et bim, one shot. c'est que ça manque peut-être de... Comment... Je l'ai dit juste avant. De punition, de gage, parce que je réussis pas mes défis, mais j'aime pas ça trop, ça, je suis pas joueur, c'est vrai que vous voyez par exemple les nuits de Chrone, LNDC, j'ai pouvais participer, et je l'ai pas fait parce qu'il y a quelque chose qui me rebute un peu, c'est tous ces espèces de challenges quand on atteint des nombres d'argent. Des paliers, j'aime pas trop ça. Ça m'intéresse pas trop de boire un bidule dégueulasse qui va me rendre malade. J'aime pas m'abîmer, voilà. Ouais, mon soporifique adoré, c'est pas juste ouche. Ok. Merci, les gars, tu m'as sauvé. Après m'être séparé des polis, je me suis promené un peu toute seule. Je voulais voir ce que ça faisait d'être dresseuse. Mais comme d'habitude, Doudou a voulu sortir de son sac et tu connais la suite. Allez, Doudou, toi aussi, dis merci à Yet de nous avoir sauvés. Piou! Doucement. Je voudrais t'offrir quelque chose pour te remercier. Tiens, si ça peut t'aider dans ton tour des îles, je serai heureuse. 5 Lux Ball. Merci. 5 pour le prix d'une, ce n'est pas du luxe, alors j'ai pensé à toi. Enfin voilà, c'est vrai que... Moi, je suis plus là pour faire des défis plutôt pour... varier les épisodes pour pas que ce soit des épisodes bateaux, pour que ça soit un peu plus différent, on essaye de faire des petits trucs annexes, et c'est juste le but, c'est pour que ça soit... Même pour mon plaisir de jeu, ça me permet de redécouvrir un peu, de changer un peu mes habitudes de jeu, et ça c'est bien. Ah, princesse!
Oh, mais vous n'avez pas une bonne mine. Et si vous vous reposiez un peu au Foyerizer? Mais quelle bonne idée, merci. Je crois que je vais te prendre au mot. Ok. Yette, pour rejoindre le lieu de l'épreuve, le plus simple, c'est de partir du village Toko. Viens avec moi. Est-ce qu'elle est pieds nus? Parce que j'ai l'impression, est-ce que de loin, on croirait, mais... C'est bon, on peut courir. On est sauvé. Il m'a fait trop peur. Voilà, donc du coup, j'ai pas du tout fait le dresseur ni la route depuis la dernière fois ici. Parce que... Je regarde la carte. J'ai pas eu le temps. Oh, il pleut. J'ai pas eu le temps. Non, parce que je tournais, en fait, je tournais à la suite. En fait. Je voulais expliquer la dernière fois pourquoi... Oh, les stalgamins. J'aime bien les stalgamins. Ah, mais je peux pas leur faire des attaques super efficaces. Ça va être compliqué, je crois. Les petits glaces, donc ça serait du feu. Mais il va se faire one shot. Je vais pas pouvoir le capturer, merde. Ou alors, peut-être que si je en lance une balle tout de suite, c'est pas considéré comme coup critique, bien sûr. Mais enfin, je l'ai même pas touché. Ça, c'est une blague. Non, mais c'est de pire en pire. J'ai l'impression qu'à chaque fois, enfin, plus on de PV, plus j'avance dans l'aventure, et plus j'appelle à l'aide avec de hauts PV, quoi. Parfait. Et là, il va appeler à l'aide, du coup, je vais pas pouvoir... Voilà. Et là, ça va marcher, je parie, du coup, je vais pas pouvoir capturer. Ah, écoute, je ne suis pas en train de faire du shiny hunting, donc... comment dire... T'es pas obligé d'appeler tes potes, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc... Vas-y, on en tue un. Ils ont de la sacrée défense. Ils ont une sacrée défense. Vent glace. Ouais, mais là, ils sont deux et tout. Alors, du coup, ça c'est en train de me... Gentiment me tuer. Alors, c'est que des mâles. Ok. Vous allez voir. Je l'ai tué à peine. Pouf. L'autre, il va... Oh, il perd des PV. Il va appeler à l'aide tout de suite. Coup de boule, et après il appelle à l'aide. Comme ça, je suis sûr que le... Non, il a pas appelé. Oh putain. Oh putain, vite. Ok. C'est bon. Ok, on a un stalgamin. On a des stalgamins ici, donc pour avoir des... Onigdali ou même des momas. Si c'est un mâle ou une femelle. Choc venin. Oh, il a pas déjà? Ah non. Ah non, mais ça va être bien 30, 70, 75. Ouais, on va prendre à la place de purée de poids, on va prendre choc venin. Parfait. Mais il la prend super tard. La vache. Ok. Très bien. Oui, on est content. Stalgamin. Ok. Donc avec ces deux évolutions, donc on y la lit de façon normale. Et quand c'est une femelle, c'est en momartique. Hop, dans la boîte PC, voilà. Oh. Donc, aujourd'hui, normalement, on devrait faire l'épreuve, si j'ai bien compris. Voilà. D'ailleurs, elle est où? J'ai pas compris. Ok, elle est au sud d'ici. Très bien, d'accord. Ah, mais je crois que j'ai déjà vu l'endroit. Oui, parce que ça m'arrive de voir des fois de voir des petites vidéos de certaines personnes... Mes amis youtubeurs, des fois je. Notamment en Galus et Pyrux, des fois je regarde un petit peu. Bon, pas beaucoup. C'est vrai que je veux pas. C'est pas que je veux pas me spoil, c'est que parce que. Oh, j'entends mon sapin qui fait des bruits bizarres. Je vais retourner là-bas, mon sapin il va être endommagé. J'aurais dû y aller entre les deux épisodes. Que je viens de tourner là. Donc alors, si j'ai bien compris. Ah, ok, c'est là. Si tu prends la route 14, tu devrais tomber directement sur la zone de l'épreuve. Bah, let's go. Je crois que le jeu avait planté. Alors, route 14. Pourquoi c'est si... Oh, mais alors... Oh, je t'ai trouvé. C'est genre noir... Il m'a fait trop peur, quoi. Mais c'est une canne à pêche de Nephi. C'est la canne à pêche. Ok. C'est vrai que contre les Pokémon... Oh, j'ai rien, en fait. Ah, ça va pas être marrant. Mais cadeau, parce que j'ai pas de
J'ai pas de plantes. Parce que bah Brocélome, je l'ai enlevé. Parce que je l'aimais pas trop. Enfin, il... Ah ouais, non, mais là, je suis un petit peu dans la mouise. C'est ça. Je suis dans la mouise. Et bah, j'ai rien contre les types plantes. Bon, bah, du coup, je vais pas pouvoir faire le défi. Ah, on est content. Ah oui, très, très, très. Allez, on va dire qu'on fait du... De l'attaque insecte. C'est un peu le même délire que la plante, c'est pas loin, n'est-ce pas? Ça fait vampirisme. Voilà, vous voyez? Ça l'a one-shot, comme si c'était super efficace. Ah, j'ai pas d'attaque plante, donc du coup, je peux... Ni électrique, alors... C'est la joie. Léviator, c'est un type vol. Oh. On va tester avec Mad Bob. En faisant des crogivres, je pense que du coup, ça devrait être super efficace. J'ai un doute avec son type O, malheureusement. Ah, combat de Léviator. On va s'auto-intimider. C'est marrant. C'est con, hein, mais c'est marrant. Allez. Ah non, c'est pas super efficace. Et je n'ai pas d'attaque électrique. Mais oui, mais Plumeline, il saoule, quoi. Je suis vraiment déçu en ces Pokémon. Je les aimais beaucoup. Parce qu'en plus, je crois qu'ils ont, il a 4 formes Plumeline correspondant à chaque île. Mais il apprend pas d'attaque électrique alors qu'il est quand même vol électrique, quoi. Fait chier. Et là, hop, il va en apprendre une, juste pour me saouler. Crogivre. Mais s'il me gèle, je le tue. J'y ai cru. Alors du coup, ça, ouais, ça passe pas. Ça passe pas du tout en super efficace. Ouragan. Je ne suis pas de type dragon, donc ça sert à rien. Days. Du coup, ouais, type électrique, une attaque électrique ou une attaque plante aurait été parfait. Voilà, du coup, j'aurais plutôt une électrique, mais écoutez, je suis seul dans ma solitude. Seul dans ma solitude. Et si seulement j'avais cette canne à pêche, moi aussi j'aurais pu gagner. Bah, bien sûr. Tu m'aurais foutu des coups de canne à pêche. Donc alors, nous sommes sur une espèce d'environnement assez sombre. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ça me fait penser juste à un volcan qui est entré en éruption. Chut. Ah! Voilà. Il n'y a plus qu'à monter ces escaliers et tu es arrivé. Il m'a pas vu, le monsieur. Si, il m'a vu. Je veux un Pokémon rare, j'irai au bout du monde pour en trouver un. Oh, mon nounou. Moi aussi. J'ai des épis partout. Ok, donc. Collectionneur veut se battre. J'ai pas vu son prénom. Oh! Oh, je le veux! Alors, Togedemaru. Alors, Togedemaru, qui est un petit peu le Pikachu de cette génération, qui est en fait un hérisson. Il est de type. Ah, attendez. Acier électrique. Oui, c'est ça. C'est ça. Il est de type acier électrique. Donc, on va lui faire un chelours avec un marteau-point dans sa frosse. Chelours. Oh, ce Pokémon est trop. Bon, c'est trop bizarre. Franchement, ils ont abusé là-dessus. Ils ont craqué. Hein. C'est chelours. Oh, on va arrêter parce qu'à chaque fois, je dis ça. Frotte frimousse. Dommage que l'animation soit juste. Oh non. La paralysie de brin. Oh là là, puis il a évité l'attaque. C'est bon, j'ai tout gagné. Vol magie. Magie. What? Ok, maintenant je suis paralysé. En plus, il s'est mis une lévitation. T'es sérieux? C'est quoi ce Pokémon de fou? Il a pas fait un change d'éclair, non? Allez, boost. Oh, mais il est trop mignon, quoi. Épine. Très bien, c'est le Pokémon chiant par excellence. Oh la vache. Mikado 37. Un Karmash. C'est qui déjà? Ah oui. Je suis en mode merde. C'est qui? On va lui faire des ouragans. C'est un... Il est type dragon? Oh putain, je sais plus. Je crois. Sol dragon, non? Je ne sais plus. Je ne sais plus, il y a trop de Pokémon. On va tester l'état dragon. Au moins, il est dragon. C'est déjà ça. Il a la trouille. Bon, enfin.
s'est fait intimider. Ouragan. Au moins, il est de type dragon. C'est déjà... Ok, alors là, la chance est avec moi. Le pauvre, il va... Bah, il va pas pouvoir attaquer une seule fois. Bah, voilà. Comment tu dois être trop déçu si ça t'arrive dans un match Pokémon? Oh, mon dieu. Genre, hop, et bah non, t'es la trouille. Et hop, et bah non, t'es la trouille. Et après, hop, il a évité l'attaque. Hop, il a paralysé. Ça va être tellement frustrant. C'est dit que se déroule l'épreuve. Le capitaine m'a prévenu de ton arrivée, bon courage. Très bien, tu peux me... Oh. D'accord, ça fait un peu... T'es pas peur? Ah, te revoilà, Higuette. Te voilà. Je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Sache d'abord que ce bâtiment est rempli de Pokémon Spectre trop choupi. Ça a l'air, ça a d'ailleurs un lien avec le contenu de l'épreuve. Il faut que tu trouves Mimiki, le Pokémon dominant, et que tu prennes en photo avec le Pokéscope. Le Pokémon dominant est un sacré polisson. Il adore se cacher et faire peur aux gens. Mais ce qu'il aime le plus est prendre la pose devant l'objectif quand il voit d'autres Pokémon Spectre se faire prendre en photo. C'est si mignon. Je te conseille donc de garder un œil ouvert et de guetter... Bah oui, je m'appelle Higuette, alors je guette le moindre phénomène bizarre. Pardon. Dès qu'il y a un truc louche, tu peux parier que c'est un Pokémon Spectre qui fait ses siennes. Qui fait les siennes. Bon, montre-moi ton Pokéscope. Oh, un Moutisma, c'est aussi un Pokémon de type Spectre. Quelle coïncidence, si. Allez, si je retire ça, que je tourne ça dans ce sens-là. Et voilà, tu es... Le tour est joué maintenant, tu peux prendre des photos sur le lieu de l'épreuve. Ah, j'ai ajouté un mode photo spécial. Mais attention, tu ne pourras l'utiliser qu'ici. L'épreuve demeurera pile au moment où tu entreras dans le bâtiment. N'oublie pas que tu n'as pas le droit de capturer de Pokémon tant que l'épreuve n'est pas finie. Si tu dois sortir au cours de l'épreuve, ce sera considéré comme un abandon. Prépare-toi bien avant d'entrer. C'est top, hein. Alors, vous voyez, l'épreuve, c'est pas forcément des combats. Et ça, c'est ça que j'aime bien. Parce que moi, les combats, bon, c'est pas... C'est cool, mais bon, évidemment, c'est un peu chiant, quoi. Alors, j'ai des potions. Oui, on va soigner la potion. Ouais, enfin... Il a tellement de PV, le chelour, ça. Vas-y, le Mad Bob, là, il a aussi pas mal de PV. Voilà, et on va essayer de l'antipara. Est-ce que j'ai un antipara? Ça me gratte? Oui. C'est parce que j'avais un poil de chat qui était tombé sur mon nez. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. On va mettre Chelours en premier. Vous allez voir, il est tellement balèze. C'est un truc de malade. Hein. Hop, voilà. En première position. Il faut se calmer, hein, ma petite, c'est là. Et on va rentrer du coup dans le... Ceci n'est pas une porte. On va rentrer dans le bâtiment qui a l'air d'être un vieux magasin. Alors, comment ça se présente? Le tapis roulant de la caisse s'est mis en marche tout seul. Voulez-vous dégainer le Pokéscope? Oui. C'est un Fantominus. Tiens, je t'ai photographié. Pokémon va vous a remarqué. Ok, d'accord. Donc alors, on se fait quand même attaquer malgré tout. Alors, Fantominus, je l'ai déjà. Chelou. Donc, c'est un type spectre. Donc, normalement, les types, lui, il est que spectre. Donc, les types spectre, c'est censé être faible uniquement face au type spectre et ténèbres. Oui, c'est ça. Donc, Sentry... merde, c'est quoi le nom? Oh, c'est quoi ce nom d'attaque? Ok. Voilà, donc. Bon, ça devrait du coup le faire. Facilement, je suppose. J'espère. Oh, oh, oh. C'était Mimiki, ça? Clon clang, Caddy bouge tout seul. Oh, on n'est pas Halloween, hein. Caddy bouge tout seul, sortir le Pokéscope. Oui, dégainer le Pokéscope, pardon. Alors. C'est un Spectrum. Le Pokémon nous a remarqué, donc pareil. Donc ça va, ça devrait pas être trop compliqué. Spectrum qui est rigolo. Il est classe, quand même. C'est un Pokémon assez aimé, il me semble, avec Ectoplasma même.
Je trouve sympa, vraiment basique mais bien cool. Et on... Centrifugifle. Ça ne veut rien dire. Si c'est la centrifuge et gifle, une gifle quoi. Ouais. Ouais. J'avais mis centrifugriffe. Oh, c'est Mimiki! Mimiki! Moi je veux un Mimiki! On est dans un vieux magasin. Pas d'objet là? Non, il n'y a pas d'objet. Non? Oh là là, des peluches qui bougent toutes seules. Ça, c'est un peu plus glauque. Les peluches bougent toutes seules. Voulez-vous dégainer le bouquet ça? Mais oui, 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 oui. Ok. Ben voilà, il y a Ectoplasma qui est là. Il n'y a que lui. Je crois qu'il n'y a que Ectoplasma. Il est où? Ben, il est où? Enfin. Oh. Pas mal. Merci. Il n'apparaît plus. Tiens, un motisme au conseil. Ces Pokémon sont farceurs, ils apparaissent et disparaissent n'importe quand. Alors dès que tu en vois un, c'est parti. Tu le mitrailles en touchant le bouton au centre du Pokéscope. J'ai compris. Il apparaît qu'une seule fois. Ou du moins de façon assez On est en mode Pokésnap, Pokémon Snap là. Je t'ai eu. C'est bon. Pokémon vous a remarqué. Donc Ectoplasma, ça va, c'est varié dis donc comme Pokémon. Hein. On a juste la famille quoi. Alors, Ectoplasma, on a toujours besoin de toi, de toi, de toi. Ectoplasma, centrifugriffe. Et oui, je ne suis pas affecté par les attaques de type spectre puisque je suis de type normal combat. Donc c'est con. Ah, j'avoue que là, chelour, ça va être tellement, tellement fort ici. Mais regardez son attaque et ses... Non mais... Oh, et ses PV, mais c'est un truc de malade. Ça, c'est vraiment Pokémon plutôt pas mal. Oh, 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 on t'a vu. Mimiki, reviens. Il va dans l'arrière-boutique. La porte s'est déverrouillée toute seule. Vous sentez une présence tapie dans l'ombre qui vous observe. Qu'est-ce que... Le Pokéscope s'est déclenché tout seul. Bonjour. C'est flippant. C'est trop flippant. En plus, vous voyez, il y a des photos avec plein de... Il y avait un espèce de Pikachu... Mimi! Une espèce de Pikachu sur les photos avec une petite fille et tout, là. Mimiki dominant veut se battre. Mimiki dominant dégage une aura qui augmente ses stats. Ok. Ça augmente pas sa défense, machin. Ça augmente ses stats, point. Mais il est gros en fait, je le voyais plus petit. Allez, centrigriffe, centrifugif. Ok, alors il va me faire très mal. Fantôme masque de Mimiki, le déguisement absorbe l'attaque. Le déguisement de Mimiki dominant tombe. Mimiki appelle du renfort. Non! Pourquoi tu fais ça? Un spectrum. Bon, normalement, il devrait pas trop me toucher. Et donc, normalement, là, je peux l'attaquer. Ça attaque les deux centrifugifs? Non, mais t'es sérieux, c'est trop pété en plus. Vas-y. Par contre, il est ultra rapide. What the fuck? Il m'a critique! Ah! Mais c'est pas possible! Mais il fait trop mal!
Est-ce que j'ai un autre Pokémon avec... Oui, j'ai les... Oui, j'étais morsure. Oui. Mais c'est pété. Intimidation. Allez, intimidation, vous arrêtez avec vos attaques. Non, mais l'autre, il arrive, il me critique. Ok, donc, on va lui faire une morsure. À mon avis, il va la tenir, la morsure. Il aurait été plus efficace chez l'ours. Mais ça fait mais il fait tellement mal. Ok, c'est pas super efficace contre lui. Mais il est quoi? Oh my god. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Déjà, on va se débarrasser du spectrum, voilà. Même si je pense que je vais décéder avant. Kuba. T'as pas le droit de me faire ça. Copie. Il apprend morsure. Ok. On se débarrasse du spectrum. Et il est fort. Il est très fort. Ah, il serait pas fait. Oh mon dieu. Fait. Fait spectre. Ah, il y a des chances. Bah, vas-y, viens, on fait un crogivre. Pour la forme. Waouh. C'est super force. Tiens, gel. Le renfort. Oui, alors en fait, je pensais faire des attaques super efficaces. Dans l'idéal, ça aurait été ça, mais là, écoutez. Voilà, allez, la Nintendo. Bon, bah voilà, on n'en parle plus. Non, mais il fait trop mal. Il fait trop mal. Donc, je vais prendre Tritox. Parce que si c'est un type fée. Spectre fait. Y a moyen que le poison ça soit fort. On va tester ça tout de suite. Choc venin sur Mimiki. Mimi quoi? Mimiki? Ben Mimiki. Sauf si je me fais défoncer avant. Pouah, mais il en est. Ok, non, c'est non. Ok. Très bien, il va me décimer. On va lui faire un espèce de pyrotechnique cataclysmique, là, du feu, là. Tant pis, bah, du coup, pour l'attaque spécifique uniquement... Ah bah non, il va mourir avant. Mon dieu, ça va être dur. Cela échoue, bah oui. Tu m'étonnes. Alors vas-y, Plumeline, je sais que tu es tellement nul que tu vas me faire des rappels max dans le tas, là. Je sais même pas si j'en ai un, en plus. Sac. Ah non mais je sens que ma vie... Ah si, rappel max. J'en ai un sur Chelours. Voilà. Oh la Plumeline. Hypnose. Oui bon, non. Plumeline, tu... Non. Je crois que ce Pokémon que j'ai mis dans ma nouvelle team là, c'est le plus décevant. Alors oui, il y avait J'ai pas d'autres rappels, t'es sérieux? Ah bah non. Ah bah non, bon, bah tant pis. Mais vraiment pas? Bon, bah, écoutez, on fait attaque. J'ai même pas sûr de réussir en fait, c'est ça le truc. Puissance cachée. Vas-y. De toute façon, je vais y passer là. Mais genre, ça t'a pas réveillé. Ça par contre, c'est un truc que je comprends, c'est que dans ce jeu... Enfin souvent, dans les autres jeux, genre dans les Final Fantasy, en RPG et tout... Quand t'es dodo, parce que ça arrive de te faire dodo, quand tu fais attaquer, tu prends une attaque physique ou quoi quelque chose, bah t'es tout de suite remis d'aplomb. Genre en mode, oh ça t'a réveillé quoi. Mais alors ici, bah non. Non, non, pas du tout. Alors. Je vais faire une centrifugif. Si je me fais pas OS avant, s'il vous plaît. Petit scalinerie. Mais non, mais tu vas arrêter de faire ça, s'il te plaît. Hypnose. Mais non! Bon, bah, on est dans la merde. Putain. Mais c'est trop. C'est ce combo de mort là. L'autre qui te défonce et puis l'autre qui t'endort. Bah, comme ça, bah, t'as le temps de rien faire. C'est abusé quoi, du 2 contre 1. Pourtant, au niveau des niveaux, j'ai quand même un bel avantage, hein, mais. Ça n'y fait pas. Ça n'empêche pas.
Oh là 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 là, mais ça fait trop de dégâts, ça fait trop de dégâts. J'ai même pas le temps, je vais me soigner. Hyper potion, vas-y. J'ai pas envie d'utiliser un réveil parce que bah il veut me refaire une hypnose derrière, donc... Au moins, je concentre. Hop, voilà. Et là, il me fait un critique, et puis je perds tout ce que j'ai. Non, ça ne marche pas. Cherche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Réveille-toi, s'il te plaît. Morsure. Ah, il a plus de pépé? Allez, réveille-toi. Please. Can you wake up? Please. J'avoue, là, c'est bien plus costaud que je l'imaginais. Et... Je crois qu'il a plus de pépé. Oh putain, on est sauvé. Ça y est. Allez. Coup critique affiché avec Toplasma. Ouais, bon, ok. Bon, Mickey, par contre, je lui ai pas fait un coup critique. Comment te dire? Viens de faire une tombe roche. De toute façon, Spectre fait qu'est-ce qu'il... Acier? Bah, même pas, si. Tiens. Et je te baisse ta vitesse. Allez, bim, dans ta face. C'est pour faire une face commentary. Ah, il n'y a plus de pépé. Ouf. Il a la trouille, évidemment. Évidemment. C'est très bien. Voilà, tu me fais plus de dégâts, quoi. Et ben voilà, ça m'arrive deux fois de suite. Qui c'est qui disait tout à l'heure? Oui, oh, ça serait vraiment pas de chance d'arriver, même. Hein. Allez, petit troisième. Ah bah non. Déçu. Déçu. Et voilà, on a eu. Ouh, c'était dur. C'était dur. C'était intense. Oh. Ah. C'était compliqué. Il était complexe, quand même, le combat. Hein. Mimiki s'est carapaté sans demander son reste. Vous avez trouvé une image dans votre Pokéscope. C'est une photo floue de Mimiki. Mimiki! Oui, oui, oui! Coucou! Faut dire comme ça. Avec le bras qui se décrape un petit peu là. Huguette, tu es de retour. Vite, montre-moi toutes tes photos que tu as prises. C'est à elle, le Mimiki. Oh, trop bien, c'est Mimiki. C'est un petit peu flou, mais c'est super d'avoir réussi à prendre ce petit filou en photo. Oh! Ah oui, c'est bien petit spectre. On a le cristal Z spectre. Bim. Mais comment il est mis sur son bracelet? Il y a vraiment genre autant de place, sur 18, j'imagine. En plus, parce qu'il y a ceux des starters. 19 au moins. C'est 18 types, hein, je rappelle. Donc, comme ça, à couper, je disais, vous avez maintenant une spectre aux élites. Tu veux utiliser le pouvoir de cristal Z de T-Spectre, il faut prendre cette pause. Maintenant que tu as réussi mon épreuve, tu peux retourner à l'intérieur pour attraper tous les Pokémon que tu veux. 10 sombre ball, évidemment. Allez, gentil. Ça sert toujours d'avoir des Pokémon de T-Spectre dans son équipe, n'est-ce pas? Ça veut dire que la prochaine fois, ça sera quoi? Psy? Hein? Tu as dit que le Pokéscope se serait enclenché tout seul pendant l'épreuve. Arrête de me faire marcher. Et ton histoire de pièces au fond du magasin, ça ne prend pas non plus. Hein? Je sais très bien qu'il n'y a rien. Derrière, tu ne mourras pas comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai des frissons d'un seul coup. Bah, tu parles. C'est une capitaine de type spectre et puis limite, elle croit pas fantôme, quoi. Elle est un petit peu bête ou quoi. Tu as réussi l'épreuve? Oui! On doit aller où maintenant? Je suis libre là ou pas? Ah non, je dois retourner voir un petit peu. Au centralizer, ok. Ok, ok, ok. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que ça ira, ça suffira. Voilà. On a fait une nouvelle épreuve, ça avance plutôt bien. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir sur... Ah non, c'est l'écran tactile, bon, on verrait pas. Mais les cristaux Z, ça fait joli, ça fait plein de couleurs et tout, ça fait des tchou. Voilà. Bref, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve nous très vite pour la suite. En attendant, portez-vous bien surtout, amusez-vous bien. Et à la prochaine, allez.
Ciao.